On leur dit ça depuis le début de la saison, il faut qu'ils osent prendre l'initiative. Dans le cadre qu'on leur donne, il faut prendre l'initiative avec les principes de jeu qui sont donnés à chaque action, à chaque scénario. Et voilà, il y a l'adversaire aussi qui fait beaucoup à l'entraînement. Des fois, quand on tente des choses, quand on voit qu'on tombe beaucoup de ballons, on dit bon, on arrête maintenant, c'est bon, mais il faut. Mais il y a des choses qui, des fois, ça marche, donc on va pas interdire ça. Le French flair, on peut pas l'interdire. Et puis, bon, je crois que les joueurs, ils ont compris, surtout quand tu vois que l'arbitre, il a un bras tendu, qu'il y a une pénalité en cours, il faut vraiment tenter des choses, mais qui sont tentables, il faut pas tenter des choses impossibles. Et c'est là que ça marche, c'est là où les joueurs, ils jouent un peu plus libérés, parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont revenir à la pénalité. Mais je dirais même des fois, tenter les choses, oui, beaucoup plus, c'est ce qu'on dit de tout souvent, tenter beaucoup plus les duels, qu'on a les espaces un peu plus larges. C'est là où on était un petit peu, pas déçu, mais on peut progresser à cet niveau-là. Donc au lieu de se battre sur un petit périmètre, il vaut mieux jouer un peu plus large dans les espaces libres et pouvoir faire des duels. Voilà. Ça fait plaisir de marquer sur un essai comme ça. C'est sûr que on aimerait souvent marquer des essais comme ça. Après, des fois, les actions et aussi le climat fait que c'est plus compliqué.